Salut tout le monde, on se tient prêt maintenant pour la vidéo du cinquième Colosse, toujours sur Shadow of the Colossus, le remake PS4. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on est dans une espèce de zone avec des anciennes ruines. Cette fois, c'est pas des pierres tombales, hein, c'est bien des ruines visiblement fabriquées par l'homme. Là, on en est sûr aussi. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc la description qu'on nous a donnée, c'était en gros un colosse qui vole au bord d'un lac. Donc le lac, il est bien là, et le colosse, eh ben, on va le découvrir tout de suite. Non, là c'est un peu dommage. Ah, il n'y avait pas de musique. Oh là là! Je vais le prendre en photo, hein, je vous embête encore, mais c'est tellement joli. Lui, il ressemble à un oiseau majestueux. Claire. Le lieu est sombre, hein. C'est un peu dommage. Ah mais il va se poser sur le truc là, je pense. Ah mince, j'aurais pu le prendre. Ok, donc on est dans... C'est une espèce d'aigle, hein, on est d'accord. Alors, il va falloir sauter. Voilà. Je repère un peu les lieux. On va essayer de monter sur une de ces plateformes là-bas. Bah, allez essayer de d'aller à celle-ci. Ça nous aide pas trop. Est-ce qu'on peut grimper? Peut-être là. Non. Essayer d'aller là-bas. Donc notre joli colosse, il est là. C'est vrai que c'est sombre ici, hein. C'est une zone un peu enclavée. Celle-ci, au moins, ça éclaircit. Peut-être délaver, ça éclaircit un peu la zone. Ah, on voit qu'il a un truc qui pend quand même vachement en bas. Je pense qu'il faudra grimper sur lui via cette longue queue. Bon là, ça nous aide pas bien ces plateformes. Peut-être qu'il faut que je lui tire dessus avec mon arc. Parce que là, je vois pas comment on peut grimper plus haut. Ah bah voilà.
C'est ça. Heureusement, j'ai voilà là là là. Ah ou d'accord, bah j'ai compris. Ok. Il est beau là. Les ailes sont pas parfaites. Je vais essayer de le faire une seconde après. Voilà. Peut-être mieux comme ça. Champ de vision. Je vais essayer de le prendre en photo, ce petit colosse. Pour la vidéo, ça sera pas mal. Allez, bouge. Par là. Il a une position bizarre, quand même. Attention. Ah, j'ai pas pu sauter. Pourquoi? D'accord, il m'a tué. Ok. Ah, je vais juste essayer de le reprendre en photo sur sa, sur son pic. Donc, je vais refaire défiler la cinématique. Il est classe quand même. Voilà. Parfait. Ça, j'aurai toutes les photos que j'ai vues. Bon, pour rappel, je suis en mode difficile. Donc c'est pour cela que si on se fait trop toucher, on en paye le prix fort. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, on peut nager, on peut pas aller plus profond que quelques centimètres sous la surface. Et la barre d'endurance sert justement Allez, on va l'énerver. Bon, là, va falloir avoir un bon timing. Eh ben non, j'ai pas eu un bon timing. On va essayer de se mettre au centre. Voilà. Waouh. En plein vol. On va peut-être incliner là. Comment je peux faire la photo? Non. Il faudrait que je remette droit, mais... Droit, ça sera à peu près comme ça. Ah. C'est juste de le redresser un chouet. Voilà, alors attention là. Hop, on s'accroche. Donc là, ça va être coton. Il va falloir... définir où est
quand on est à l'envers, quand on est droit, pouvoir récupérer. Il me semble qu'il y avait un truc sur sa queue. Yes, j'y suis. Putain, ce colosse, il est énorme. Il va disparaître le... Il va disparaître, je pense, voilà. Donc là, il est à peu près droit. On s'accroche. Et là, faut surtout pas sauter parce que sinon... Sinon, on s'envole dans les airs. Oulala, 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 oulala. Je m'accroche pas là. Voilà. Comment on va faire pour aller sur le bout d'aile? Je réfléchis. Je réfléchis. Quand il arrête de battre des ailes, forcément. Et ben voilà, je suis tombée. Pourtant, j'ai maintenu R2 tout du long. Hein. Je l'ai pas lâché, mais comme il n'y avait plus de poils, c'était pas possible de s'accrocher à ses os, visiblement, à son cartilage. Bon, on a déjà quand même fait un point faible de manière assez efficace. Ça, c'est très sympa comme photo. Ah, en noir et blanc, faites voir si je pousse à fond. C'est sympa en noir et blanc. Là, c'est légèrement désaturé. Ah, comme ça donne une ambiance aussi. Très joli. Très joli. Et si je zoome? Pour la vidéo. Voilà. Alors. Oh là là là, ça fait peur. Ça fait peur. On va pas se retrouver sous l'eau là. Oh la classe. La classe, cette image. Magnifique. Magnifique. Ah. Superbe. Allez, essaye de se concentrer cette fois sur le colosse maintenant qu'on a les photos. Est-ce qu'il faut que je lui renvoie des flèches? Il est un peu loin quand même.
Ah, je crois que je l'ai touché. Ouais, il a changé de direction là, je crois. Merde, je suis pas sur le bon plou. Si? Ah zut, je croyais que j'étais pas sur le bon. Putain, c'était pas ça. Et morte. Oh putain. Bon, c'est de ma faute, j'étais pas concentrée. Maintenant c'est bon, les photos. Je ne fais plus les photos. Allez. On se concentre, on y va. Putain, faut refaire le point faible, zut. Je nage sous l'eau parce que ça va plus vite qu'en surface. Là, a priori, ça devrait aller. Yes! Là, j'ai pas mis longtemps, hein. Oula, la demi-tour. Oula, là. Faut que je pense à mon endurance, là. Et ben voilà. Comme on était droit, en fait, je pensais lâcher R2 et... On est tombé où là? Je pensais lâcher R2 et en fait tomber horizontalement et pile au niveau de l'articulation de ses ailes pour ensuite aller sur l'autre aile, mais j'ai mal géré mon coup. C'est sûr que si vous regardez cette vidéo pour avoir une technique efficace pour tuer ce colosse, c'est pas ici qu'il faut la trouver. Hein. Allez, go. Il faut se mettre sur le truc du milieu. Voilà. Yes, je l'ai eu. Concentration maximale. Yeah. Alors, normalement, l'aile, je l'ai faite, celle-ci. On se tient. Pas le faire tout de suite, voilà. On va attendre qu'il soit bien droit. Thank you.
J'aurais dû perdre l'endurance. Aïe, 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 aïe. Bon, le point il s'allume plus, c'est déjà ça. Oh là là, je vais tomber, je crois. J'ai plus d'endurance. S'il s'arrête pas, je vais tomber. Et ben voilà. Bon là c'était obligé que je tombe. C'est pas une fausse manip de ma part. Il n'y avait pas moyen de récupérer de l'endurance à ce niveau-là. Donc bon c'est un colosse qui se fait en plusieurs fois quoi. Direction maintenant la queue. Alors là, il n'y a que deux plateformes. Je sais pas si c'est l'idéal. Il est passé là, non? On va essayer de voir là-bas. Ah, des fois, la caméra, elle est un petit peu capricieuse, hein. Ben, je voyais comme ces combats sont quand même originales, et ben figurez-vous que ça existait quand même sur PS2. C'est quand même vraiment un jeu avant-gardiste, je trouve. Hein. En avance sur son temps, avec des idées vraiment, vraiment originales. Hein. Si je l'ai eu. C'est pas facile de viser. Il y a je crois qu'il y a des images à débloquer si on tire plus de 1000 flèches. Putain, faut vraiment. Ah, putain de caméra! Ah, c'est pas pratique là, hein. Putain. Faut que je me mette bien comme il faut quand il va arriver là. Yes, j'ai eu. Putain, là, faut pas se faire tuer, hein, sinon faut tout recommencer. C'est bon. Allez, cours. Ouh là là. Allez, monte. Ah non, hein. Fais pas le coincé, là. Hein. Oh non. Mais c'est pas... Je suis abusé, là. Putain. Je suis où, encore? Là, c'est quand même abusé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même pas de chance, hein.
Fou, là 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 là. Là, je pensais que c'était bon là. On aurait fait le dernier point faible et puis basta. Et ben non, on est reparti encore pour 10 minutes pour essayer de monter dessus. Lui tirer une flèche. Putain, je l'ai pas eu. Bon, on va y arriver, je pense, cette fois. Précipitons-nous pas trop. Trophée sous le vent. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini. On va peut-être pas faire Céline Dion maintenant. Je vous laisserai faire Garou. Hein. Bon. Et ben voilà, on va avoir les ombres qui vont nous transpercer. Je sais pas où est le cadavre du colosse, il doit être sous l'eau. Peut-être que les ombres, elles attendent que je sois... Ah bah non. Sur la terre ferme. Bon, bah ce colosse, ça aurait pu être beaucoup plus efficace. Hein, si j'étais pas tombée une première fois, j'avais mal géré mon affaire. Après une deuxième fois... Avec les ailes, je crois, la troisième fois parce que je m'étais accrochée aux os et pas aux poils. L'aigle, c'est fait. C'était donc le colosse numéro 5. Dormin va nous parler. Le dieu, l'espèce de dieu des lieux. Druid.
D'accord. C'est un violent, entre guillemets, mais il n'est pas con. Donc, il faudra jouer de ruse pour le battre, sûrement. Bon, et eh bien voilà. Colosse numéro 5 fait. Franchement, il était super sympa, ce colosse à faire. C'est un de mes préférés, je crois, d'ailleurs. Je me souviens pas des 16 colosses, mais il me semble que lui, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. À très bientôt pour le sixième, alors, ce fameux colosse violent mais intelligent. Ciao!